Avec la luminosité, on voit pas mon chignon, donc j'ai l'air chauve. Je ne suis pas chauve. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. J'espère que la luminosité vous dérangera pas trop, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir filmer. Sinon j'ai pas le temps. C'est la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne, même si ça fait maintenant 3 Noëls que j'ai commencé YouTube. Pour la simple et bonne raison que dans ma famille on ne se fait pas plein de petits cadeaux, on se fait un ou deux gros cadeaux. Je trouvais pas ça super intéressant de vous faire une vidéo juste pour vous montrer un truc, du coup ça aurait pas duré longtemps. Mais cette année je suis quand même très contente de mes cadeaux, même s'il n'y en a pas des masses, c'est des beaux cadeaux. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous la faire parce que j'adore regarder ces vidéos à cette période de l'année. Donc premièrement, c'était un peu avant Noël, on a fait un Noël de la classe. Vous savez, quand on tire un petit papier et qu'on doit offrir un cadeau à la personne dont on a tiré le nom, et moi. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on m'a offert un poster de Yoda. Et voilà... Si vous regardez mes vidéos, vous devez savoir que j'aime beaucoup Star Wars et en fait ça s'est su dans ma classe aussi et c'est très drôle. Et voilà, merci Amina si tu passes ici, je te remercie encore et pour l'instant j'attends d'avoir trouvé une place où l'approcher mais je n'oublie pas. Et dites-moi en commentaire si vous avez vu le dernier Star Wars, que vous en pensez, parce que j'ai un avis assez mitigé sur la chose, je veux savoir... l'impression globale. Donc ensuite, en passant à mes cadeaux à proprement parler. Donc premièrement, j'ai eu de l'argent de la part de ma grand-mère parce qu'elle n'avait pas trop le temps de venir en ville pour faire un cadeau. Du coup, elle m'a simplement donné de l'argent pour que je m'achète ce qui me plaît. Donc voilà. Donc, mais de sa part, j'ai eu aussi un deuxième cadeau qui est un très très beau cadeau. C'est un pull de la marque Sonia Riquel. Donc c'est pour ça que c'est un très beau cadeau. Donc il est pailleté et il est comme ça. Donc je sais que c'est pas le style de pull que vous attendez à me voir porter, mais pour le temps des fêtes, j'aime vraiment tout ce qui est pailleté et ce pull il est juste dans une matière incroyablement agréable, il est tout pelucheux et voilà, je l'aime énormément et je suis super heureuse de ce cadeau. Ensuite, de la part de mon grand frère, j'ai eu un cadeau, donc je l'avais choisi celui-là, mais dont je suis hyper heureuse, c'est le grand palais de Too Faced. Il avait sorti chez Sephora juste pour les fêtes et il a été en rupture de stock super vite, donc je suis tellement contente qu'il ait pu me le trouver. Donc dedans il y a une palette, un melted, une base et le mascara Better Than Sex qui, soit dit en passant, est délirant. Je crois que maintenant que je l'ai essayé je voudrais plus jamais m'en acheter un autre, mais bon voilà, je suis super contente. Je vous mettrai un close-up pour que vous voyez un peu mieux à quoi ça ressemble. De la part de mon papa, j'ai eu quelque chose que je voulais depuis très longtemps, à savoir une Daniel Wellington. Donc c'est celle-ci, la marron grand format, celle avec les brillants. Elle est démentielle, elle est superbe, je l'aime énormément, j'en voulais une depuis tellement longtemps. On va dire que je me suis mal démerdée parce qu'étant youtubeuse, voilà, je suis youtubeuse et j'ai payé ma Daniel Wellington. Vous pouvez faire une croix dans le calendrier pour ce jour. Donc il a acheté aux Galeries Lafayette et avec ils lui ont donné une bougie parfumée qui a une odeur absolument démentielle et elle est super mignonne. En fait elle sent la fleur d'oranger et donc elle se présente dans un verre comme ça avec écrit Noël 2015. Et en fait d'après ce que j'ai compris c'est un jeu, dans certaines des bougies il y a un diamant mais il apparaît quand on le fait, quand on la fait brûler. Bon je dois dire que c'est pas ce qui me porte le plus mais elle sent juste tellement bon. Ensuite ma maman m'a offert des chocolats. Mais j'ai honte d'avouer que ben, je les ai déjà tous mangés. Donc je suis désolée si il me reste. Voilà, il me reste une petite sucette au chocolat blanc là. Qui ne va pas faire long feu. Et ensuite elle m'a fait un cadeau. Un cadeau démentiel. En fait, à la base je lui avais dit que je voulais un sac. Et elle m'a amené faire les boutiques un jour. On est allé aux Galeries Lafayette. Et je lui ai dit celui-là me plaît mais il est beaucoup trop cher. Et au final, ben, elle me l'a pris quand même. Et je la remercierai jamais assez, ce sac est magnifique, donc c'est une de mes marques préférées, c'est la marque Sandro. Moi je, voilà, faut savoir que je suis complètement dingue, tout ce que fait Sandro je trouve ça magnifique, chaque vêtement qu'ils font je le trouve parfait. Et donc avoir un sac de cette marque, mais c'est juste tellement génial pour moi. En gros j'avais un cabas pour les cours et je voulais un petit sac pour quand je vais en ville pour pas transporter 150 000 choses. Et donc elle m'a acheté celui-là, alors il se présentait dans une petite pochette comme ça.
C'était juste super mignon. Et alors attention. Voilà la bête. Donc il est juste tellement beau. Donc voilà, à l'intérieur il a une petite poche comme ça et un imprimé Sandro, mais c'est juste magnifique. Il a juste le format qu'il faut, le cuir est de super bonne qualité. J'adore le fait qu'il ait écrit Sandro ici. Et il a une anse super longue, ce qui fait qu'on peut le porter à la fois sur l'épaule et en bandoulière. Et je suis juste super heureuse, mais je craque. Et donc voilà, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. J'espère que ça vous aura plu. Je suis contente d'avoir pu filmer une vidéo parce que c'est vrai que, comme vous avez pu vous en rendre compte, en entrant dans Tech Deco, j'avais pas très bien estimé la quantité de travail et la fatigue que ça représentait, et j'ai vraiment du mal à faire des vidéos et ça me gêne. Voilà, sachez que je ne compte vraiment pas abandonner ma chaîne, même si je fais des vidéos pas très régulièrement, je vous en ferai. Et si je décide d'arrêter, je vous préviendrai, je n'arrêterai pas juste comme ça. Donc voilà, merci à ceux qui restent, qui continuent à regarder mes vidéos, à ceux qui s'abonnent malgré le fait que j'ai pas posté depuis longtemps. Mais voilà, ne perdez pas confiance, je compte continuer à faire des vidéos, même si c'est pas très régulièrement. J'aime toujours autant faire ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si ça vous dérange pas trop cette luminosité, parce que ça m'arrangerait beaucoup de pouvoir filmer des vidéos le soir. Et voilà, ben, je vous fais de gros bisous à tous. Dites-moi ce que vous avez eu pour Noël et voilà.